avez-vous vu Madame de Portari à l'entraînement? Mettez-vous debout, tout le monde. Débranchez-vous. Debout, les copains. Vous pouvez être fiers de vous. Ok? Parfait. Très bien. Merci tout le monde. Merci. Ça marche? OK, alors les choristes de l'école Beau Séjour viennent de vivre une expérience mémorable. Je veux savoir ce qui se passe dans vos petits cœurs aujourd'hui. On va y aller avec Frédéric. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça, puis j'aime beaucoup la chorale. Est-ce que ça t'a permis de te dégêner, peut-être? Un peu. Un peu? Et toi, Anne-Fal? Moi, j'ai vraiment aimé ça, puis... C'était vraiment amusant. Mais moi, là, je ne connais pas ça. J'aimerais ça savoir comment ça se passe, un enregistrement comme ça à la salle Oscar Peterson. Qui peut me donner des détails là-dessus? Il y a un studio où on fait les voix et tout ça. On corrige les voix, puis on doit être silencieux quand on enregistre. Et c'est difficile d'être silencieuse? Oui, des fois. Sacha, toi, ton expérience? Moi, j'étais en haut dans une salle à part avec 6 autres personnes parce qu'on avait les voix trop graves. Mais c'est quand même amusant parce qu'on avait une salle pour nous tout seuls. Une salle pour vous 6 tout seuls pour chanter les voix graves? Oui, mais on était 7. Vous étiez 7, parfait. Héloïse. C'était vraiment comme amusant. Nous, on faisait toutes nos voix. On avait 4 micros qui nous enregistraient. Donc, tu sais pas nécessairement ta voix sur toutes les autres voix, mais au moins tu sais que tu étais là. Et tu réussis à t'entendre à travers les autres élèves, Paolo? Oui, mais sauf que nous, moi j'étais comme Sacha, mais nous on avait un micro. On essayait tous des fois de se coincer pour aller... avoir notre voix dessus. Et moi, l'affaire, c'est que moi, au lieu de tout le monde aller en avant, moi, j'allais en arrière. C'était la même chose. Et tu as aimé ça beaucoup? Oui. Même on a eu un peu de... c'était amusant avec le... je me rappelle plus de son nom. Marc, je crois. Alors, vous allez enregistrer un disque et ce disque-là va sortir avec une histoire, un livre. Je veux savoir, moi, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Dans cette histoire, c'est que Perséphone, elle prend une grenade et elle goûte. Et parce que le dieu Hadès, hein, le diable, Voler Maria avec elle. Fait qu'elle a mis des grains de grenade et... Et chaque fois que Perséphone prenait une, elle se tombait plus en amour avec lui. Comme. En amour avec le diable? Et toi, est-ce que tu es tombée en amour avec chanter? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu savais déjà chanter avant, c'est ça?
Oui. Et pourquoi tu es ici dans la chorale? Parce que moi, j'aime chanter. Moi, toujours, j'ai rêvé de comme chanter dans une comme chorale, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que ça prend comme qualité pour un choriste? Moi, aujourd'hui, je veux m'inscrire dans une chorale. Qu'est-ce que je dois savoir faire pour arriver à apprendre mes chansons? Ça prend une voix aiguë. Et aussi, je pense que ça prend aussi la responsabilité parce qu'il faut que tu apprennes bien tes paroles. Bien tes paroles, ça veut dire combien de fois ça? On répète combien de fois pour réussir à chanter 4 chansons comme ça? 20 fois chaque jour. Chaque jour, ça veut dire 7 jours sur 7 pendant 8 mois? Oui. C'est ce que tu as fait, Bin? Oui. Donc après ça, c'est facile de faire les devoirs. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a un ami qui a un autre commentaire à donner? Olivia? C'était vraiment amusant. C'était un peu difficile de pas bouger, mais... C'était très amusant et... C'était amusant de voir le chef d'orchestre, d'entendre les sons dans ton oreille. Parlez-moi du chef d'orchestre, comment ça se passe d'être dirigé? Bien, pour de vrai, j'ai trouvé ça un peu le fun, avoir un chef d'orchestre qui nous fait des signes, parce que j'ai jamais vraiment été dans une chorale où j'ai jamais vraiment chanté, mais là, c'est la première fois que je fais ça, puis j'ai aimé ça, c'était le fun. C'est sûr que c'est difficile de suivre le chef d'orchestre et de suivre tous les autres choristes parce que comme il faut que tu essaies de te synchroniser avec à peu près 120 personnes. C'est sûr que c'est difficile, mais à la fin, on est fiers du résultat. Là, tu es en train de me dire qu'il y avait 120 personnes dans la salle aujourd'hui à Scar Peterson Hall? Je crois qu'il y en avait un petit peu moins, mais à peu près. Alors, vous étiez une centaine à être coordonnées en même temps, Anna? Oui, mais parce que il y a dans plusieurs écoles qui chantent et il y en a qui font que la voix, il y en a qui chantent. Et aujourd'hui, on est allé dans la salle Oscar Peterson. Wow, tu as aimé ton expérience? Oui, beaucoup. OK, les choristes, maintenant, on va chanter ensemble notre super chanson. Attention, 1, 2, 3, go!